peuple de Dieu, bonjour tout le monde, bonjour à vous qui nous regardez depuis chez vous. J'espère que vous allez bien ce matin. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout dans la présence de Dieu pour démarrer notre culte dominical? Alléluia! Amen, amen! Avant de commencer ces temps, prends des nouvelles de ton frère. Demande-lui comment il va, comment s'est passée la semaine. Alléluia! Salue ton voisin! Salut deux ou trois personnes, déplace-toi, partage la joie avec ton frère et ta sœur ce matin, alléluia, partage-lui un sourire, amen. Il y a de la joie dans la maison du Seigneur, mais n'est-ce pas, alléluia, alléluia. Avant de commencer nos temps d'adoration et de louange, j'aimerais que nous acclamions le père de ce ministère, l'apôtre Alain Patrick Tinguet. Acclame très fort pour notre Père, alléluia, il a payé un prix, continue de payer ce prix formidable pour le Seigneur, amen. Tu vas continuer à ovationner pour nos parents locaux, les pasteurs Yvon et Tina Wonketu. Acclame très fort, acclame pour nos parents, rends l'honneur à Dieu pour leur vie ce matin, alléluia. Tu vas acclamer pour les 12 de ce ministère, les 12 de l'église ACER Lyon, les pasteurs des églises annexes. Acclame les responsables de département, responsables de JR, alléluia. Et tu vas acclamer pour toi qui es présent ce matin car ta vie compte. Acclame bien pour toi, alléluia. 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 À présent, j'aimerais que tu recommandes ton cœur à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux t'adorer ce matin. Je veux recevoir de toi ce matin. Je ne veux pas sortir de ces temps sans avoir reçu ce que tu as prévu me communiquer. Alléluia. Recommande ton cœur à Dieu ce matin. Oh Seigneur, nous venons te recommander encore nos cœurs ce matin. Je te recommande le cœur de mon frère et ma sœur connectés ce matin, Seigneur. Je te recommande le cœur de mon frère et ma sœur ici présent même, oh Dieu. Donne-lui de pouvoir recevoir ce que tu as prévu de bien. Ah, Seigneur, qu'il ne ressorte pas de ce lieu sans avoir reçu, Seigneur, cette belle part que tu as prévue. Seigneur, viens toucher une vie ce matin. Seigneur, viens restaurer un cœur ce matin. Seigneur, viens guérir une vie ce matin. Oh my God. Seigneur, viens te manifester en ce lieu. Que ton esprit prenne le règne en ce lieu, my God. Que tes anges inondent encore ce lieu. Oh, dis-moi, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi. Nous voulons, Seigneur, t'adorer, contempler ta présence. Je dis qu'alors que nous te contemplons, nous sommes transformés en la même image que toi. Alors ce matin, nous voulons être transformés en la même image que toi, Seigneur. Nous contemplons le grand Dieu que tu es. Nous contemplons l'excellent Dieu que tu es. Nous bénissons ton nom. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tous les noms, à la mention duquel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et c'est pourquoi nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons pousser des cris de joie pour le puissant Dieu que tu es. Est-ce que tu peux ovationner très fort l'agneau de Dieu? Acclame, acclame, acclame. Acclame le Saint-Esprit qui est présent en ce lieu et qui te fera du bien. Oh, Saint-Esprit, nous t'honorons. Saint-Esprit, nous t'ovationnons. Saint-Esprit, nous te célébrons. Nous te rendons la gloire en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.
que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans tes études, que le nom de Jésus soit glorifié. Malekata, Marereboshata. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il y ait que
te donner. Je n'ai rien payé et tu t'es donné pour ma liberté. Tu m'as tout donné, moi je n'ai rien payé. Seigneur, tu t'es donné pour ma liberté. Tu es ressuscité. Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi? Oui, je le crois. Oui, tu détiens les clés du séjour des morts.
tu peux acclamer très fort le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu crois que tu es libre? Dis à ton voisin, tu es libre. Dis-le lui très bien. Alléluia. Acclame, 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 acclame. Je veux l'acclamer plus fort que jamais. Acclame, acclame, acclame. Le célébrer mieux qu'auparavant. Je veux sauter plus haut que jamais. Saute, 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 yeah. L'adorer mieux que d'habitude. Car je suis ton ombre, tu es. Plus fort que jamais, l'adorer mieux qu'auparavant. Je veux sauter plus haut que jamais. Seulement, on y va. Le crier mieux que d'habitude. Tu pousses un cri de joie, oui, tu es. Alléluia.
tu peux l'adorer en toute liberté. Amen. Alléluia. Amen. On va passer à une autre phase. Tu vas vraiment recommander ton cœur à Dieu. Tu vas vraiment te visualiser en train de le voir, en train de l'adorer. Tu vas dire, Seigneur, je veux m'abandonner. Alléluia. À toi ce matin. Alléluia. Tu peux commencer à élever ta voix. Père de grâce, il est question de toi. Tu attends des personnes qui viennent humblement à tes pieds se déposer, abandonner leur vie, reconnaître qu'ils dépendent de toi, reconnaître qu'ils ont besoin de toi. Nous venons nous faire petit, nous voulons nous offrir, nous voulons glorifier ton nom. Nous savons simplement que nous sommes entre tes mains. Nous savons que notre être entier, nos Seigneur, nous voulons nous abandonner à toi ce matin. Je reconnais que je suis entre tes mains. Nous voulons encore, Seigneur Dieu de gloire, le creux de ta main, te visualiser, te voir encore, oh Dieu. Et je veux simplement abandonner. Nous voulons jeter nos couronnes ce matin devant toi, Seigneur. Juste rester là. Nous voulons jeter nos couronnes ce matin devant toi, ô Dieu. Restez là dans ce lieu dans lequel tu es. Nous voulons que tu nous utilises, ô Dieu. Nous voulons te toucher ce matin, Seigneur. Comme la femme à la perte de sang qui avait une grande foi, Seigneur, qui était rejetée parmi tant d'autres. Seigneur, lorsqu'elle t'a vue, elle s'est dit, si et seulement si je pouvais toucher le bord de sa robe, alors assurément je serais guérie. Ce matin, nous voulons nous abandonner, Seigneur. Nous voulons nous ouvrir à toi. Nous voulons te toucher, oh Dieu. Nous voulons que tu nous utilises. Nous voulons, Seigneur, te voir à l'œuvre. Oh Jésus, nous nous abandonnons ce matin. Il y a des beaux chantants. Je m'abandonne à toi, tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi, oh, je m'abandonne à toi, tu peux. Simplement à Dieu ce matin. Je m'abandonne à toi. Tu peux, je m'abandonne. Il est là ton Père ce matin. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te toucher. Mais il veut te toucher si seulement tu as une grande foi. Si tu désires qu'il te touche, le voici. Devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler. Je m'abandonne à toi, tel que je suis, Seigneur, ce matin. Je viens de m'abandonner à tes pieds. Je m'abandonne à tes pieds. Regarde-moi tel que je suis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, tu peux, je m'abandonne à toi, tel que je suis, je viens au pied du mur.
De Dieu, dis oui à Dieu ce matin. Dis-lui oui de tout ton cœur ce matin. C'est un rendez-vous divin alors que tu réponds favorablement. Quelque chose se passe maintenant dans ta vie. Je suis en train de voir des vies être transformées. Ah, tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie. Alors que tu dis oui, Seigneur, ce matin, avec la foi qu'il attend de toi, quelque chose se décante maintenant. Il va dire qu'il frappe à une vie, il frappe à un cœur. Et tu es libre de dire oui comme dire non. Mais ce matin, dis oui. Ce matin, dis oui à Dieu. Dis oui à Dieu. Rekatata. Oui, Seigneur, oui, je dis oui, oui à ton appel, oui.
le bien-aimé. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Alors que tu contemples le roi de gloire, il te touche ce matin. Alors que tu appelles Dieu à manifester. Il se manifeste, il se manifeste, il se manifeste. Lorsqu'on lui dit oui, les choses ne peuvent pas rester les mêmes. Sa puissance est là pour te faire du bien. Oh, yeah. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Le roi de gloire. Est-ce que tu peux contempler l'agneau de Dieu? Contemple l'agneau de Dieu. Contemple le lion de la tribu de Juda. Qui te touche maintenant. Il te restaure. Il te transforme. Il ouvre les portes qui étaient fermées dans ta vie. Il ouvre ses portes. Il te fait du bien ce matin. Il entend le cri de ton cœur. Et il te restaure. Et il te fait du bien. Il te transforme.
De prier, les chants pas au micro, donc on prie tranquillement. Est-ce que avec vos propres mots, Seigneur, nous te bénissons, nous voulons te dire combien de fois nous t'aimons. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta sainteté, nous reconnaissons ta toute puissance, Seigneur. Sois béni d'éternité en éternité. Reçois ce matin, Seigneur, nos louanges, notre adoration, Seigneur, que nous faisons monter devant toi. Seigneur, sois béni, tu es Dieu. Seigneur, sois glorifié, tu es Dieu. Seigneur, tu es le Dieu trois fois saint. Seigneur, tu es le commencement et la fin. Et mon âme veut te bénir ce matin, parce que tu es grand, parce que tu es bon, parce que tu es saint. Seigneur, sois béni. Dans le tourbillon et les éclairs ont illuminé le monde. La terre a été ébranlée et elle a tremblé. Tu as fait ton chemin dans la mer, ton sentier au fond de l'eau et personne n'a reconnu tes traces. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron. Et nous bénissons le nom de Dieu parce que nous suivons un Dieu puissant, un Dieu qui ouvre un chemin dans l'eau. Un Dieu qui ouvre des chemins là où personne ne pouvait imaginer, qui fait les choses sans trace, de manière propre, mais qui fait avec puissance. Et nous bénissons le nom de ce Dieu ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Amen. Amen. Amen.
Amen. Veuillez prendre place. Soyez bénis. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un ce matin, sois béni. Sois abondamment béni. Tu lui fais un grand sourire. Je sais que nous sommes au premier culte. Un grand sourire. Ça ne paye pas de pain, c'est ça, hein? Ça ne mange pas de pain. Voilà. Alléluia. On est ensemble ce matin pour un culte jusqu'à à peu près 11 heures. Donc, d'ici 45 minutes, 11h, 11h05. Et je bénis le Seigneur d'être là ce matin. Je dis toujours que je ne veux jamais prendre pour acquis le fait de me tenir devant vous et de parler au nom du Seigneur. Alors pour moi, c'est un privilège. Amen. C'est un privilège de servir Dieu et c'est un privilège de me tenir devant là et de pouvoir vous entretenir par le biais de la parole. C'est vraiment un privilège pour moi. Je veux prendre le temps aussi de bénir le Seigneur pour la vie donc, de nos hommes de Dieu. Donc l'apôtre Alain Patrick Tienguay, le pasteur Paulette, le pasteur Yvon. Nous travaillons sous leur leadership et nous bénissons le Seigneur pour cela. Merci aussi à chacun d'entre vous. Merci d'être venu ce matin. Vous êtes bénis. Alléluia, vous êtes dignes d'être honorés. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta propre vie? Et merci à tous ceux qui nous servent ce matin. Les chantes, multimédia, l'accueil, le ménage, les codimes, le protocole, la communication, les assistantes. Les trésoriers, vraiment soyez bénis. Voilà, vous tous qui participez au bon fonctionnement de ce culte, vraiment soyez bénis. Alléluia. Alors aujourd'hui, on va continuer selon le thème du mois. Vous savez qu'à la CER, nous avons la pensée donc, de l'année et chaque mois, nous détaillons les choses. Donc nous sommes en train de parler, donc le thème de ce mois, c'est une plus grande révélation sur le renoncement à soi et la victoire sur les persécutions. Je disais dimanche dernier que c'est l'un de mes thèmes favoris. C'est un thème que j'aime beaucoup parce qu'il parle du caractère du chrétien, du caractère qu'un chrétien doit avoir. Alléluia. Et je disais qu'on parle souvent de Jésus-Christ qui sauve et on oublie souvent de mentionner Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que lorsque vous naissez de nouveau, vous faites connaissance avec Jésus-Christ, le Sauveur, mais dans votre marche avec lui, vous devez apprendre Jésus-Christ le Seigneur. Et Jésus-Christ le Seigneur, c'est quelqu'un avec qui on ne discute pas. J'ai dit, pour résumer un petit peu sur les trois cultes, je ne sais pas si vous avez eu la possibilité d'écouter donc le culte 2 et le culte 3 de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas fait, prenez l'habitude de le faire. Hein. Vous avez fait le culte du matin, le premier culte. En général, c'est le premier culte qu'on démarre, c'est un culte introductif. Et puis ensuite, on fait le 2 et le 3 culte. Et puis ensuite, les autres dimanches, on continue. Mais vraiment, prenez l'habitude d'écouter les autres cultes. Voilà, vous êtes en voiture, vous mettez. Vous arrivez à la maison, vous êtes en train de faire vos affaires, mettez le culte. C'est toujours bien de vous exposer à la parole de Dieu. Ça ne peut que vous faire du bien. Hein. Au lieu d'écouter des informations sans cesse qui ne parlent que malheureusement et bien souvent de mauvaises choses, comme ils disent eux-mêmes, les mauvaises nouvelles sont vendeurs. Exposez-vous à la parole de Dieu, ça va vous faire du bien. Amen. Donc prenez l'habitude de le faire. Alors, donc, pour revenir à mon thème, je disais que c'était un des thèmes les plus intéressants et un de mes thèmes les favoris, en fait, parce que ça parle du caractère qu'un chrétien doit avoir, ok, et des choses qu'un chrétien doit faire. J'aime pas trop le dire comme ça, mais bon, voilà, on est le matin, vous me savez, vous me connaissez déjà, hein, le matin, ce n'est pas toujours le premier culte, au premier culte que je suis au mieux de ma forme, hein, parce qu'on va dire que je suis plus du soir, donc c'est vrai que le matin, on prend un peu de temps. Hein? Même la manière dont je parle, vous voyez, c'est au troisième QC. Mais vraiment, le matin, c'est pas facile. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. Moi, je vous dis, hein, si je pouvais commencer mon travail à 10 heures, tous les jours, je peux commencer. Quand je travaillais encore dans le séculier, bon, aujourd'hui, c'est un peu différent. J'organise un peu mon emploi du temps comme je le souhaite. Mais
quand je travaillais encore dans le séculier, tout le temps, je me disais, mais on ne peut pas commencer à 10 heures. Pourquoi on ne commence pas à 10 heures? Pourquoi 9 heures? Pourquoi aller déposer les enfants à 8h30? C'était dur. C'est dur, mais bon, ça fait partie de la vie. Hein. Les gens, ils ne vont pas toujours s'adapter à vous. Bon, je bénis quand même Dieu, hein, parce que les dernières entreprises où j'ai travaillé, elles étaient quand même flexibles, tu vois. Mais ce n'était pas jusqu'à 10 heures, jusqu'à 9h15, 9h30. Voilà, mais les autres boulots où j'ai commencé, il fallait être là à 9h00, des fois à 8h30, tu te dis, mais je fais tout ça pour gagner l'argent. Bon, allez, c'était pour vous détendre un peu. Bon, ça ne vous fait pas trop rire, mais ce n'est pas grave. Très bien, on va commencer. Alors, donc, aujourd'hui, je continue. J'ai dit quelque chose d'hyper important la semaine dernière. J'ai dit que la nouvelle naissance, c'était par là que tout doit commencer, une véritable nouvelle naissance. Parce que toutes les autres choses qu'on va vous demander après, c'est parce que ça découle d'une véritable rencontre avec le Seigneur. Et je vous ai dit que la nouvelle naissance, c'était une expérience personnelle d'abord, ensuite une expérience instantanée, donc elle se fait en un claquement de doigts, donc instantané. Et je vous ai dit que c'était une expérience spirituelle également, au cours de laquelle Dieu nous fait passer, donc par son Fils Jésus-Christ, du royaume des ténèbres à celui de la lumière. Vous vous rappelez? Et je vous ai dit ensuite qu'après la nouvelle naissance, commence maintenant le processus de conversion. D'accord? Le processus de conversion. Et la conversion n'est pas une expérience instantanée. La conversion, c'est un processus. Ça prend du temps. D'accord? Donc ça, c'est fondamental à comprendre. La conversion n'est pas une expérience et elle n'est pas instantanée. C'est un processus. Et c'est un processus de tous les jours. Jésus-Christ a dit ceci, Jésus-Christ de Nazareth a dit ceci. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Donc, il n'y a aucune possibilité de suivre réellement Jésus si ce n'est avec votre croix. Si vous n'avez pas votre croix, c'est que vous ne suivez pas Jésus. Je ne sais pas qui vous suivez, mais ce n'est pas Jésus que vous suivez. Alléluia. Donc, je pense que je vous ai fait le résumé des choses les plus importantes à savoir. J'ai dit également au troisième culte que dans le renoncement à soi, il y a une partie qui relève du renoncement aux œuvres mortes. Et on a vu des choses au niveau de Galates chapitre 5. Parce qu'un chrétien, normalement, doit comprendre que les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Comme nous le dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Ça veut dire qu'au moment de votre nouvelle naissance, vous renoncez à une ancienne vie, en réalité à une ancienne existence. Parce que le principe de la vie, c'est Jésus. Donc, et j'ai dit cette phrase, vous pouvez exister dans la vie, mais vous ne vivez pas. Vous vivez à partir du moment où vous avez rencontré Jésus. Parce que dans le monde spirituel, il y a une différence entre exister et vivre. Exister, c'est avoir la vie biologique, la vie souké. Vivre, c'est avoir la vie zoé. C'est-à-dire être réconcilié avec Dieu par son Fils Jésus et avoir reçu le principe de la vie. Selon ce que Christ lui-même il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors donc aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons parler, on va revenir sur le renoncement à soi, mais j'avais envie de vous parler des persécutions que vous allez vivre lorsque vous avez décidé de faire ce choix. Ah oui, je disais que par rapport au culte de la semaine dernière, j'avais parlé aussi du renoncement aux œuvres mortes. D'accord? Parce qu'un chrétien qui naît de nouveau comprend qu'il y a des choses qu'il doit laisser tomber. On ne peut pas te retrouver en tant que chrétien encore dans les jalousies, dans les envies, dans tout ce qui est divinatoire, dans la magie, dans tout ce qui est impudicité, adultère, débauche, gourmandise, toutes ces choses-là qui sont bien dites
dans le livre de Galates chapitre 5. C'est un choix personnel. Tu dois choisir de refuser ces choses-là. Écoutez-moi bien, tu dois choisir de dire non à ces choses-là. En fait, il n'y a pas de négociation possible. OK? Ça, c'est la parole de Dieu. Amen? On est ensemble? OK. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler donc, du deuxième volet du thème de ce mois, puisqu'on parle du renoncement à soi et la victoire sur les persécutions. J'avais vraiment à cœur de vous parler de la persécution. Et pour cela, on va ouvrir le livre des Actes, Actes chapitre 16. Vous voyez, après que Jésus soit monté au ciel, que les disciples, que les apôtres aient reçu donc, le baptême du Saint-Esprit, ils vont donc répondre à l'ordre missionnaire qui a été donc, d'aller et d'annoncer la parole, hein, d'aller, de former les disciples, d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Donc, ils vont commencer par Jérusalem, comme ce qui leur avait été dit, seulement qu'à un moment donné, ils vont prêcher à Jérusalem. Les historiens disent que l'Église primitive avait près de 200 000 membres. D'accord? Donc, ça veut dire qu'à Jérusalem, et je vais dire aux alentours, peut-être très proches, vraiment, il y avait, la parole de Dieu s'était répandue de partout. OK? Seulement qu'ils sont restés là, dans Jérusalem, alors que Jésus leur avait dit d'aller, de commencer par Jérusalem, ensuite la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. D'accord? Et en fait, ils sont restés à Jérusalem. Le moyen que Dieu va utiliser pour les obliger à sortir de leur zone de confort, ça a été la persécution. Écoutez-moi bien, l'Église de Jésus n'a jamais grandi hors de ce cadre-là que de la persécution. N'a jamais grandi, jamais. On aimerait bien que ce soit facile. On aimerait bien que tout le monde comprenne nos choix. Mais l'Église de Jésus n'a jamais fonctionné dans le bien-être et dans les acclamations de nos confrères et de nos congénères. Des autres créatures de Dieu, des êtres humains. L'Église n'a jamais été, n'a jamais fonctionné, ne s'est jamais répandue en dehors du chemin de la persécution. Christ lui-même, on l'a persécuté. Donc, toi-même qui décides de marcher sérieusement avec le Seigneur, tu seras persécuté et c'est normal. Écoute-moi, si en voyant ta vie, en t'observant, en écoutant tes propos, on ne t'a pas donné un petit surnom, c'est que tu n'es pas encore arrivé. On doit t'appeler, ah, toi tu es maman pasteur. Oh, toi, vous les évangéliques. Oh, toi, tu es un pasteur. Oh, toi, le petit prophète. Prophète, prophétesse. Oh, l'enseignant, viens ici. Le docteur de la parole, viens ici. Si on ne t'a pas encore surnommé, c'est qu'il y a un problème. Je doute de la manifestation du royaume de Dieu au travers de ta vie. C'est qu'il y a un problème. On doit te donner un petit surnom. Un petit papa. Petit pasteur. On doit te surnommer et tu dois porter fièrement ce surnom. Parfois, il est ridicule. Parfois, c'est justement quand tu rencontres des difficultés, on va dire, oh, toi aussi tu pleures. Maman pasteur, femme de foi, homme de prière, homme de feu. On doit te surnommer. C'est normal. Ça fait partie du jeu. Écoutez-moi, si dans votre vie chrétienne, vous n'avez reçu que des acclamations, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que Jésus lui-même, il n'avait pas reçu des acclamations. Vous savez, lorsque Christ est arrivé sur la terre, contrairement à ce qu'on pense, mais ça a mené la division. Les Romains, pour les Romains, c'était un phénomène parce qu'ils rassemblaient énormément de personnes. Jérusalem était sous l'occupation romaine. Lorsque Jésus marchait, il y avait des milliers de personnes qui l'accompagnaient. C'était un phénomène. Ils avaient peur de l'insurrection juive. Qu'à un moment donné, les Juifs se rebellent parce qu'un certain Jésus leur a parlé, leur a dit que voilà, ça c'est le temps du royaume et maintenant qu'ils vont renverser l'Empire romain, c'était vraiment compliqué pour eux de gérer ça. Au niveau des Juifs, les religieux, ils se disaient, mais c'est pas possible. D'où il vient ce monsieur,
ce garçon qu'on a vu naître il y a quelques années, le fils de Marie, le fils de Joseph, il vient maintenant, il nous dit qu'il est fils de Dieu, il fait des miracles, il parle du royaume de Dieu avec autorité, les gens le suivent, les gens l'écoutent. Lorsqu'il parle, il y a quelque chose qui se dégage de lui. On n'est pas d'accord avec ça, mais on ne peut pas nier qu'il y a quelque chose qui se dégage de lui. On ne peut pas nier les miracles notoires qu'il fait. C'était compliqué à gérer. Parce que Jésus, en même temps, n'était pas dans leur système. Au contraire, ouvertement, il leur disait que ce qu'il faisait n'était pas bien. Qu'il n'était pas dans le royaume, il ne faisait pas ce que l'enseignement juif disait. Et ils empêchaient les autres de faire ce que Dieu disait de faire. Donc pour eux, c'était un rebelle. Et maintenant, il y avait les autres. Ils ne savent pas quoi penser. Certains croyaient, d'autres ne croyaient pas. En fait, Jésus était un sujet polémique. C'est pas grave si tu es polémique. C'est pas grave. Alléluia. Mais on a traité Jésus lui-même, on dit que tu amènes une nouvelle secte. On l'a traité de fils du diable. On dit non, c'est pas le doigt de Satan. Hein, c'est tout. C'est pas le doigt de Satan que tu chasses les démons. C'est pas Belzébul que tu chasses les démons. Le dieu des. En fait, ça veut dire. Comment on dit ça? Je ne sais pas si c'est dieu des mouches ou roi des mouches. Voilà. C'est pas cette puissance occulte que tu agis. C'était un sujet polémique. Et lui-même, il va dire qu'il n'est pas venu pour amener la paix. Et pourtant, il s'appelle le prince de paix. Mais il dit qu'il est venu pour amener la division. Parce que chacun doit choisir comment se positionner. Vous savez, Dieu n'a pas créé l'univers de manière... comment je vais le dire? Il n'a pas créé l'univers avec une uniformité. Dieu n'est pas dans l'uniformité. Même deux frères et sœurs qui sont nés du même père et de la même mère, ils viennent avec des traits parfois différents. On peut retrouver une ressemblance, mais ce n'est pas le même nez, ce n'est pas la même bouche, ce n'est pas les mêmes orteils. C'est pas... Dieu n'est pas dans l'uniformité. Non. Et vous imaginez si on n'était que des clones. On n'était que des clones. On est reproduit pareil, pareil. Mêmes oreilles, même nez, même bouche, même front, même truc, même raisonnement, même truc. Mais c'est terrible. Mais ce serait extrêmement ennuyant. Extrêmement ennuyant. Tu imagines? Et il faudra pouvoir se supporter soi-même. Mais tu dois te supporter toi-même multiplié par 1000. Tu te supportes toi-même. Déjà, toi-même, ce n'est pas facile de te supporter tout seul. Et maintenant, tu dois supporter tes clones. Toi et tes clones. Vous imaginez? C'est un peu compliqué. Donc, Jésus n'était pas venu pour amener, il est venu pour prêcher l'amour, mais il était conscient que son message n'était pas facile. N'allait pas être accepté par tout le monde. Et que du fait que ça n'allait pas être accepté par tout le monde, ça allait amener forcément la division. Ok? Donc, les disciples vont... commencer par prêcher à Jérusalem. Et donc, il y a un vent de persécution qui va se mettre en place. Ce vent de persécution, l'apôtre Paul va jouer un rôle majeur dedans avant lui-même d'être saisi par l'Évangile. Alors, je vais vous parler donc dans Actes chapitre 16. Il a déjà fait un premier voyage missionnaire avec Barnabas. Et là, il s'apprête pour un deuxième voyage missionnaire avec Silas. D'accord? Donc, Actes chapitre 16. La première fois que l'apôtre Paul va venir donc en Europe. Et c'est assez intéressant. D'accord? Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 11. Après avoir embarqué à Troas, nous avons fait voile directe vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes rentrés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. En fait, la Macédoine, c'est une ville d'Europe. Parce que jusque-là, lors du premier voyage missionnaire, en fait, donc, pour faire simple,
Donc l'apôtre Paul, il était persécuteur, il va rencontrer Jésus et à partir de ce moment-là, il va se mettre à prêcher l'évangile. Avec Barnabas, ils vont faire un premier voyage missionnaire et ça va, ce premier voyage missionnaire, ils vont beaucoup se concentrer au niveau de l'Asie, d'accord ? L'Asie, le Proche-Orient, voilà, Proche-Moyen-Orient, tout ça. Et donc là, au deuxième voyage, en fait, ils se sont dit, bon, on ira voir les premières églises, les premiers endroits que nous avons visités et où nous avons annoncé la parole, d'accord ? Donc, 3 ans plus tard, après le premier voyage missionnaire, ils vont reprendre la route pour aller voir ce que l'église était devenue, ok ? Donc, au cours de ce voyage missionnaire, en fait, ils ont eu envie d'aller dans un premier temps, donc, de repartir exactement là où ils étaient partis. Et chapitre 16, verset 6, par exemple, on dit « empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie ». Donc, le Saint-Esprit même va leur dire « non, je sais que c'était votre plan premier, mais non, je vais vous donner un autre endroit ». Donc, ils sont partis au niveau de la Phrygie, la Galatie, voilà. Ensuite, ils voulaient rentrer encore dans un autre territoire, en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur a pas permis. Jusqu'à ce que l'apôtre Paul va faire un rêve, en fait, où il va voir quelqu'un, donc issu de la Macédoine, et qui est en train de demander donc, du secours. Et donc, il comprend la direction de Dieu, que c'est d'aller en Macédoine. Okay? La Macédoine, c'est en Europe, c'est au niveau de, on va dire, de la Grèce et tout, là, voilà, à peu près ce côté-là. Et donc, c'est la première ville d'Europe. Donc, Philippe, qui est donc la grande ville de Macédoine, c'est là-bas qu'ils vont atterrir pour la première fois. D'accord ? Est-ce que c'est bon pour le petit parcours historique ? Ok, voilà. Et donc, ils arrivent à Philippe. Là, ils vont sortir. Donc, la Bible dit qu'ils sortent et ils vont vouloir rencontrer donc, des personnes, donc un jour de sabbat, puisque... Il y a quand même une forte communauté juive. Ils savent qu'il y a des juifs qui ne sont pas simplement à Jérusalem, vous voyez, et qui viennent d'ailleurs et tout. Donc, ils savent que partout où il y a des êtres humains, il doit y avoir probablement dans la région quelques juifs qui sont là. Donc, ils vont sortir pour aller voir, bon, voilà, un jour de sabbat. Peut-être qu'à arriver quelque part, ils vont trouver d'autres juifs avec qui ils vont pouvoir parler et ils vont pouvoir annoncer la parole. Donc, l'apôtre Paul, avant d'aller annoncer la parole aux païens, quand vous regardez comment il fait, il commence toujours par un point d'ancrage, des personnes qu'il sait qu'ils peuvent l'écouter. Donc, il commence d'abord par son milieu, donc les juifs, et ensuite, souvent, il est rejeté et il va parler aux païens. D'accord ? Vous voyez comment il fonctionnait, c'est à peu près ça. Et nous-mêmes, ça nous donne un canevas au niveau de notre évangélisation. Parfois, on veut d'abord aller évangéliser les païens qui sont loin, loin là-bas, les personnes qu'on ne connaît pas. Commence déjà par les gens que tu connais. Commence déjà par ton milieu, ton premier milieu, ton premier cercle. Et ensuite, tu vas aller vers d'autres personnes. Donc, c'est comme ça qu'ils sortent. Et c'est vraiment assez intéressant. Et je l'ai vu hier. Pourtant, je lisais ce passage tout le temps. Je suis au verset 13. Le jour de sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Vous imaginez les premières personnes à qui l'apôtre Paul parle de la bonne nouvelle ici en Europe, c'est des femmes. La première personne qui se convertit ici en Europe, c'est une femme. Non, ils sont là en train de nous jeter la pierre. La femme ne doit pas prêcher. Ici en Europe, là, la première personne qui a donné sa vie au Seigneur, c'est une femme. Donc, et elle s'appelle Lydie. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était qui Lydie ? Lydie, c'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire. En fait, ceux qui vendaient du pourpre, c'était des gens qui étaient plutôt aisés. D'accord ? Et elle craignait Dieu. Probablement, lors de ses échanges avec les autres femmes juives, elle a dû remarquer qu'eux, ils avaient un Dieu particulier. Et donc, il y a une crainte de Dieu qui était dans son cœur et elle a commencé probablement par les fréquenter. La sincérité du cœur fait que lorsque tu es sincère, même si tu n'es pas exactement sur la bonne voie, Dieu va permettre qu'il y ait des gens qui ont la bonne connaissance de Dieu et qui vont venir t'éclairer. Et c'est comme ça que Lydie, elle était là. Elle était avec les autres juifs. Elle écoutait. La Bible dit que le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul.
Lorsque vous partez évangéliser, lorsque vous devez parler aux gens de votre famille, demandez que le Seigneur ouvre leur cœur. D'accord? Et là, le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Donc, elle a été attentive à ce que disait Paul. Et à partir de ce moment-là, elle leur a demandé de venir loger chez eux. Pourquoi je vous parle de l'histoire de Lydie? Vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, Lydie, c'est la première habitante de l'Europe à avoir accepté Jésus. C'est la première personne dont la Bible parle, en tout cas, qui a donné sa vie au Seigneur. Et jusqu'à présent, donc depuis plus de 2000 ans là, on continue de parler de Lydie. D'accord? Parce que c'était la première. Écoutez-moi bien. Lorsque vous êtes précurseur, lorsque vous ouvrez une voie que personne n'a empruntée avant vous, vous serez indexé, mais l'histoire ne vous oubliera pas aussi. Si dans ta famille, tu es le premier à avoir donné ta vie à Christ, écoute-moi, en tant que précurseur, tu auras certaines persécutions qui sont dues au fait que tu sois précurseur. Mais laisse-moi te dire que ton nom est écrit déjà dans l'histoire. Et c'est pour cela que tu dois tenir bon. Tu dois tenir bon parce que après toi, il y a des milliers de personnes qui vont suivre ton chemin. Est-ce que Lydie pouvait savoir qu'aujourd'hui, vous serez tous là, ici en Europe? Bon, nous, on va dire qu'on est venus d'ailleurs. Maman Véro. Lydie a donné sa vie à Christ. Et derrière Lydie, il y a tout ce monde-là en Europe. Donc, il rencontre Lydie. Lydie est saisie par l'évangile. Et Lydie donne sa vie à Christ. Et elle fait un bon accueil à la parole. Regardez au verset 16. Donc, ils viennent, Paul et Silas. Ils rencontrent Lydie. Lydie donne son cœur à Christ. Lydie les invite dans leur maison. Peut-être quelques jours après, il dit, ils se rendaient dans un lieu de prière et là, ils vont rencontrer une jeune esclave qui avait un esprit de divination. D'accord? Paul et Silas sont venus parce que Paul a eu un rêve. Écoutez-moi bien, Paul a eu un rêve. Dans le rêve, quelqu'un disait, viens à notre secours. C'est comme ça qu'il est venu en Macédoine. Quand il arrive en Macédoine, il rencontre un groupe de femmes, il prêche l'évangile, Lydie donne sa vie au Seigneur. Quelque temps après, il n'a demandé ça à personne. C'est des problèmes dont il se serait vraiment passé. Il marche dans la rue et une jeune dame, une esclave en fait, qui avait un esprit de divination, va les rencontrer et va commencer par parler sur eux. Elle va commencer par crier derrière eux, « Oui, voilà les serviteurs du Dieu très haut, voilà ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils annoncent le chemin du salut. » Est-ce que ce qu'elle disait était faux? Non. Mais ce n'était pas la stratégie de Paul. Paul n'était pas venu pour qu'on puisse lui faire de la publicité et crier derrière, voilà ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, tout ça. Et pendant 3 jours, elle n'a pas arrêté son business. Au bout d'un moment, l'apôtre Paul, comme il a eu un discernement clair, il va se retourner et il sait que l'esprit, même si la parole elle est vraie, l'esprit qui est derrière est un esprit occulte. Et il va chasser cet esprit. Et là, le début des problèmes vont démarrer. Lorsque vous naissez de nouveau, vous montrez que vous êtes en Christ, vous montrez que maintenant vous marchez en nouveauté de vie, ça va commencer par déranger les gens. Votre style de vie va commencer par déranger les gens. Et donc, lorsque cette histoire arrive avec l'apôtre Paul, en fait, les maîtres de cet esclave vont se rebeller et vont dire, non, toi tu as chassé l'esprit, nous on va avoir l'argent comment? Parce que, en fait, c'est sur le dos de l'esclave qui se faisait leur petit commerce. Donc, ils vont soulever tout le monde. Le fait que tu sois né de nouveau et tu marches en nouveauté de vie, ça dérange des choses dont peut-être parfois tu n'es même pas conscient. Et donc, ces esprits qui sont derrière là, ils vont maintenant commencer à soulever toute la ville. Les esprits qui sont derrière et que tu as commencé à déranger dans ta famille vont commencer par réveiller les gens dans ta famille. Même les gens qui, au départ, ils étaient tout gentils avec toi, ils étaient tout sympas avec toi, parce que tu es maintenant chrétien.
Parce que maintenant, tu commences par prier. Maintenant, tu marches en nouveauté de vie. Tu déranges les intérêts de Satan. Donc, ils vont commencer par susciter d'autres esprits dans la famille et ailleurs pour te pourrir la vie. Et c'est normal. Ça a toujours été comme ça. Ça ne commence pas par toi. Tu n'es pas le premier persécuté. Tu n'es pas le premier persécuté. Tu ne fais que être dans la lignée de ceux qui ont vraiment donné leur vie à Christ. Ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Ça, ça fait partie de la vie, de la vraie vie. Nous connaissons, nous apprenons à connaître la gloire de Dieu, le cœur de Dieu, mais aussi la communion avec ses souffrances. Alléluia. Trouve-moi le verset Charles-Olivier, s'il te plaît. Je pense que c'est dans le livre de Philippiens. Donc, ils sont là. Merci. Et donc, ces esprits-là commencent par susciter tous les gens de la ville. Regardez ce qu'on leur reproche. Verset 20. L'histoire est allée tellement loin qu'on les a pris et qu'on les a présentés devant le juge. C'est-à-dire qu'on te persécute tellement dans ta famille qu'on te présente devant le juge. Alors toi, c'est juste ta famille. Eux, c'était toute une ville. Bon, ce n'était pas des grandes villes, mais quand même. C'est-à-dire que toute une ville. Il n'est pas encore allé ailleurs. Il n'a pas encore fait des grands séminaires. Le seul petit groupe qu'il a rencontré, c'est un petit groupe de femmes. Il a annoncé l'évangile. Les gens ont donné leur vie à Christ. Il n'a même pas encore démarré les croisades. Il n'a pas encore rencontré beaucoup de personnes. Tu sais quoi? Des fois, on te persécute à cause du potentiel que tu as. Parce qu'on voit tout ce que tu vas faire. Satan sait tous les dégâts que tu vas faire. Donc, s'il peut te tuer dans l'œuf, c'est bien. Vous allez me dire, oh, comment ça? Ah, mais un, Satan, ce n'est pas ton copain. Deuxièmement, s'il l'a fait avec Jésus, quand Jésus est né, est-ce que Hérode n'a pas tué tous les enfants de 0 à 2 ans? Est-ce que Jésus n'a pas été obligé d'aller en Égypte avec ses parents? Donc, on voit des fois, tu n'es pas encore arrivé, tu n'es pas encore devenu le grand bishop. Tu commences à peine ta marche avec le Seigneur. Mais Satan sait ce que tu peux devenir plus tard. Satan voit le potentiel que tu as. Alors, s'il peut tuer ce potentiel, maintenant, il le fera. Il le fera. Donc, l'apôtre Paul n'a même pas encore commencé encore des grands rassemblements. Il n'a même pas encore commencé. On veut le stopper net. Regardez ce qu'on lui reproche. Ces hommes sèment le trouble dans la ville. On dira de toi que tu sèmes le trouble. Écoutez, si tu sers vraiment Dieu, on dira de toi que tu sèmes le trouble. Parce que, en fait, ce que tu dis, ce que tu annonces est contraire aux agissements des uns et des autres. On dira que tu sèmes le trouble. C'est obligé. On dira, toi, tu es rebelle. Toi, pourquoi tu es comme ça? On dira, toi, nous sommes nés de telle religion. Nous mourons dans telle religion. Pourquoi tu sèmes le trouble? Pourquoi tu changes les habitudes? Pourquoi tu veux faire autrement? Tu seras persécuté pour ça, parce que tu ne rentres pas dans leur système. Ils annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis d'accepter ni de vivre. C'est quoi ces coutumes? Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ou même mieux, tu aimeras ton prochain comme Christ l'a aimé. C'est ça, ces coutumes-là, pour lesquelles on se lève. Il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre à nous qui sommes Romains. Donc, tu seras persécuté pour les valeurs que tu portes. Tu seras persécuté pour le discours que tu as et pire encore, pour ta façon de vivre, pour ce que tu dégages. Quand les gens voient que tu marches vraiment en nouveauté de vie. Écoute, si tu es chrétien, un pied dedans, un pied dehors, on ne va pas trop t'embêter. On ne va pas trop t'embêter, d'accord? Clovis, du calme. Toi aussi, je suis en train de prêcher. Du calme. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Donc, suivez-moi. Laissez le cas de Clovis. Dieu le gère, d'accord? Et donc, tu seras persécuté pour tes valeurs, tu seras persécuté pour ton message, tu seras persécuté pour ta façon de vivre, tu seras persécuté pour ce en quoi tu crois. Et ces persécutions-là, elles ont pour but aussi de savoir, en fait,
Est-ce que tu es vraiment convaincu de ce Jésus-là? Écoute-moi, si la persécution vient et qu'elle bouge ta foi, elle bouge tes convictions, c'est que vraiment, tu n'as pas encore été bien saisi. Parce qu'à cause de cette conviction-là, regardez bien l'histoire de l'Europe, les gens ont accepté qu'on puisse les tuer. Les gens ont accepté de vivre dans la souffrance à cause de leurs convictions. Et toi? Parce que juste parce que autour d'un bon repas et autour d'une belle table, on te dit non, toi tu es chrétien, oh, toi tu es petit pasteur et tout, tu ne commences pas à pleurer et tu dis non, je ne viendrai plus à l'église dans ce cas, je ne suis plus chrétien. Non mais oh. Les gens, ils ont payé de leur vie pour que cet évangile puisse venir jusqu'à toi. Et toi, tu es là. Tu. Remarquez qu'on a fait un procès à Silas et à Paul. Toi aussi, on te fera un procès. On te fera un procès d'intention. On te fera un procès d'intention. C'est-à-dire que, oui, voilà, ils viennent détourner les autres, ils viennent détourner ceci. Tu n'as pas donné ta vie à Christ pour détourner qui que ce soit. Maintenant, si à cause de ce que tu es, les autres veulent venir dans le royaume, il n'y a pas de problème. Mais notre, quand tu donnes ta vie à Christ, ton but premier, ce n'est pas d'abord de détourner les gens, c'est d'abord tu le fais pour toi. On te fera des procès d'intention. On dira parfois que tu soulèves tel contre tel. On dira que tu n'amènes pas la paix dans la famille. On dira que toi, quand tes autres frères et sœurs t'écoutent, ils se positionnent d'une certaine façon. On le dira et on doit le dire. Et c'est bien qu'on le dise. Un jour arrive, quand les yeux vont s'ouvrir, ils vont se dire, ah vraiment, c'était pas facile, hein. Mais il a tenu bon ou elle a tenu bon. Surtout si vous êtes les premiers dans votre famille à recevoir le Seigneur. Il y a un prix. Vous serez persécutés, mais vous aurez aussi les avantages des précurseurs. Comme je vous dis, votre nom sera à jamais écrit dans l'histoire. On va toujours comparer les autres à toi. Il y a des avantages d'être des précurseurs aussi. Mais ce n'est pas facile. Et il faut accepter. La Bible dit, la foule s'est aussi soulevée contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Ils ont pris eux-mêmes leur transport. Ils ont bravé la mer. Ils ont bravé les vents. Ils arrivent jusqu'en Europe. Les premières personnes, c'est encore un petit groupe qu'ils ont parlé. Ils n'ont pas encore commencé les croisades. Les gens n'ont pas encore commencé à se lever. Les miracles n'ont pas encore commencé à se faire. Bim, procès. Après le procès, c'est la baston. C'est la baston. Oui, on pourra te bastonner à cause de ta foi. Oui. On pourra te dire, sors de chez moi à cause de ta foi. Oui, on pourra dire, non, à partir de là, vraiment, on peut te renier à cause de ta foi. Mais bien sûr. Mais qui vous a dit que l'évangile est un évangile à l'eau de rose? Non, c'est une histoire de conviction. C'est pour ça que si tu n'es pas réellement né de nouveau, tu ne pourras pas tenir. Il faut une vraie nouvelle naissance. L'évangile dont nous parlons là, c'est des convictions profondes, c'est des valeurs profondes que nous avons. Et si tu es convaincu, ne sois pas convaincu à moitié. Si tu es vraiment convaincu que Dieu existe, tu es convaincu que Jésus est son fils, tu es convaincu qu'il faut que tu le rencontres et que tu marches en nouveauté de vie, alors sois courageux. Sois courageux. Parce que autant tu verras la gloire de Dieu, tu verras Dieu se manifester au travers de toi. Tu verras des choses pour lesquelles tu prieras et les choses vont se passer, vont s'accomplir. Mais d'une autre part, tu auras aussi droit au procès. Tu auras droit aussi aux persécutions. Tu auras parfois droit à des bastons aussi.
Et tu ne peux pas dire non. En fait, moi j'aime le pasteur Tina, mais je n'aime que le côté droit du pasteur Tina. Non, tu me prends tout. Tu prends tout. Parce que je ne peux pas être divisée. N'est-ce pas? Non, hein, Tatiana, toi, je n'aime que tes cheveux. Tout le reste, là, je déteste et je hais. C'est quoi ça? Tu ne m'aimes pas? On est d'accord. Si on dit qu'on aime Jésus, on aime Jésus jusqu'au bout. C'est pour cela que, vous voyez, ceux qui sont tièdes, un pied dedans, un pied dehors, ils ont tout faux. Ils ont tout faux au niveau du monde et ils ont tout faux au niveau du Dieu, au niveau de Dieu. Ça n'a pas d'intérêt. Soit tu es convaincu, tu es à fond et tu acceptes de souffrir pour l'évangile, soit ben, tu fais ta vie. Hein? Arrivé à 30 ans, tu vas commencer par dire oh, j'en ai marre. C'est quoi cette vie? Parce que voyez-vous, tous ceux qui disent oh non, nous on fait la fête, nous c'est les fêtes, donnez-leur jusqu'à 30 ans. Au bout de 30 ans, non, j'ai plutôt envie de me caser, oh, j'ai fait tout ça, franchement, je ne trouve pas mon bonheur. Cinq ans plus tôt, ouais, la fête. 5 ans plus tard, oh non, tout ça, on a déjà tout fait, Il n'y a aucun plaisir dedans, on a tout fait. Bof. Bon. Et après 30 ans, tu vis ou pas? Nous, là, on est en train de kiffer à l'église, de kiffer notre life. On est en train de kiffer notre life. Et donc, après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller. Il y a ici parmi nous des gens qu'on a fait sortir à cause de leur foi. Des jeunes, des tout jeunes, dont les pères et les mères ont dit dehors. Parce qu'ils viennent à l'église. Parce qu'ils ont dit non, maintenant, j'ai rencontré Jésus. Et toi, tu es là parce que tu n'oses même pas parler de Jésus au boulot. Ils vont te faire quoi? Ils vont te faire quoi? Au travail, ils vont te faire quoi? Tu as signé déjà le contrat, c'est bon. Ils vont te faire quoi? Au pire, tu peux toujours démissionner. Au pire, tu peux toujours quitter cette boîte et aller dans une autre boîte. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Tu ne peux pas dire tes convictions. Et pourtant, tous les lundis matins, ils te font le point de leur week-end sulfureux. Et toi, tu es là. Tu n'oses rien dire parce que tu as peur. Tu as peur de quoi? Il y a des gens ici, je vous assure, on les a chassés de la maison à cause de leur foi. Il y a des gens ici, on ne leur parle même plus. On leur parle avec mépris et dédain parce qu'ils ont dit qu'ils sont chrétiens. Moi, je me rappelle quand j'ai donné ma vie à Christ. Personne, les gens se disent, mon père disait, mais je ne te comprends pas. Toi, tu es sorti d'où? Chez nous, ce n'est pas comme ça. Après, ça a été, non, c'est la faute de ta mère. Après, c'est la faute à ta mère, parce que tout, c'est la faute de maman. Et là, tu te retrouves là. Non. Oui. Non, mais c'est ma foi. Non, c'est quelqu'un qui t'a forcément montré ça. Ah, c'était dur. Je me souviens un jour, j'ai fait ma prière de repentance et tout, et j'ai dit à mon père, maintenant, je ne vais plus dans l'autre église là-bas, c'est fini. Et à l'époque, il me donnait un peu d'argent de poche, pas beaucoup, hein. Vraiment, il me serrait. Parce qu'il me disait, tu dois apprendre à gérer ton argent. Donc, il me donnait très peu. Il dit, tu dois te débrouiller avec. Et quand j'ai dit que non, là, je n'irai plus dans l'autre église là-bas, il dit, bon, très bien, ben, je vais couper aussi. Et je me retrouve là. Je ne peux rien faire. Et quand je dis, non, mais papa, non. Oh, tu es la fille de Jésus, non? Va demander à tes pasteurs là-bas. Je dis, hé, la fille de Dieu. Bon, j'avais 11 ans, 12 ans. Je dis, ok, bon, je vais recommencer à aller à l'église de l'autre côté. Et je me débrouillais pour aller à l'église de l'autre côté. Mais je n'allais pas à l'église même, je restais dans la cour. Ou bien, je faisais tout pour suivre la messe en latin. Là, je n'entendais rien. Et après, tu me dis, oh non, je viens de venir à l'église. Je reviens de l'église. Et puis, à un moment donné, j'ai dit non. J'avais 11, 12 ans, j'ai dit non. Non, papa. C'est non. J'ai choisi. Quoi? J'ai dit non, papa, j'ai choisi. Là même pour te faire plaisir et même pour venir te dire que j'ai été à la messe, je ne vais pas le faire.
Non, mais mon père, il a cru qu'il allait me soulever. Il me dit, tu as quel âge? Et ma mère me disait, Tina, va quand même, va quand même. Et un jour, j'ai regardé droit, j'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Et je devais avoir dans les 14 ans. Et je lui ai dit, maman, tu sais, si Jésus revient maintenant, où est-ce que je vais aller? Et j'ai cru en Dieu, j'ai cru en cette voie que j'ai choisie. Et tu ne peux pas m'obliger, tu ne peux pas m'obliger. Elle m'a regardé. Je lui ai dit, j'ai choisi. Et elle m'a regardé. Je pense que ce jour-là, elle s'est dit, Jesus. Non, moi qui vous parle, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Et quand tu es dans la famille, on te parle avec mépris. On fait les choses pour les autres. Et toi, tu deviens la fille à côté. Tu es écartée. Tu es dans la maison, mais tu es écartée dans la maison. Tout ça parce que tu as dit que non, moi maintenant, c'est Jésus. On va te dire, oh, bon Dieu, ça, voilà, ça c'était une insulte. Oui, vous les bon Dieu, ça. Dans la maison, hein. Dans la maison. Et tu dois supporter. Là, tu te dis, non, Seigneur, il y a un seul chemin possible. Attendre mes 18 ans. Là, maintenant, là. Non, je vous assure, tu veux aller à l'église. Un coup, tu vas, un coup, tu ne peux pas aller à l'église. Parce qu'on te ferme la porte. Tu dis, hé, tu ne peux pas aller à l'église. Mais Dieu est bon. Parce que des gens venaient me parler de l'évangile à la maison. Des gens dans les GR, on venait me parler de l'évangile dans la maison. On dit, non, c'est comme ça qu'il faut faire. Je prenais un cahier, je notais. Parce que je ne pouvais pas aller à l'église. Il n'y avait pas les replis. Mais j'aimais passionnément Dieu. Je ne savais même pas prier. Je ne savais pas prier plus de 5 minutes. Mais je savais une chose, c'est que j'aimais Dieu et que j'avais choisi de vivre avec Dieu. Bon, je reconnais que j'avais aussi un pied dedans, un pied dehors. Mais c'est parce que je n'étais pas encadrée. Vous voyez, je n'étais pas encadrée. Je n'avais aucun suivi. Et je dis non, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. On te parle avec mépris. Et dans la famille, tu es regardé comme le moins que rien, le dernier de la famille. Mais il arrive le temps. Et le temps est arrivé, en tout cas pour moi, après des années, où aujourd'hui, là, on me parle avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de respect. Il y a toujours un temps où ça change, où on se dit que, ah, mais vraiment, ton affaire, là, c'était sérieux. Où on voit les fruits de ta foi. On voit que, en fait, tu as tenu bon. Et on voit que ce que tu disais, ce en quoi tu disais que tu croyais, on commence par le voir dans ta vie. Je vous assure, les discours changent. Les discours changent. Moi, j'étais extrêmement étonnée. Je vous raconte ça, il y a quelques années, je rentre dans ma famille, mais on m'a parlé avec tellement de respect que je me suis dit, à quel moment? À quel moment? À quel moment? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans ma famille qui commencent par donner leur vie à Christ. Mais pendant plus de 10-15 ans, j'ai souffert. Pendant plus de 10-15 ans, j'étais regardée comme un déchet de la famille. Et c'est dans les déchets là que Dieu m'a choisi. Oh. C'est dedans que Dieu m'a choisi. Il me dit, toi, tu es jeune, je te fais rencontrer l'apôtre. À l'âge de 19 ans, j'ai commencé à rentrer dans le ministère. Quelqu'un qui ne connaissait, qui ne savait même pas prier plus de 5 minutes. Vous voyez, parce que j'étais sincère et parce que j'ai décidé d'être quelqu'un, une femme de conviction. Et ça, c'est ce qui manque à nos chrétiens aujourd'hui. Vous, on est là sans conviction. Le premier vent, le petit vent qui souffle, tout ce que tu avais décidé, tout ce que tu avais choisi, c'est bon, ça c'est cool, parce qu'il y a un vent de persécution. Mais qui a dit qu'on allait toujours être d'accord avec tes choix? Mais qui a dit ça? Qui a dit ça? Aujourd'hui, on te jette la pierre. Peut-être dans 5 ans, les mêmes personnes qui t'ont jeté la pierre vont se retrouver à ce même carrefour de leur vie. Et là, ils se rappelleront que, mais en fait, elle avait raison. Elle avait raison. Alléluia, elle avait raison. Je me souviens encore quand j'ai décidé de me marier. Bon, là, c'est vraiment, j'ai arrêté la prédication déjà. Je vous fais plutôt mon témoignage là. Quand j'ai décidé de me marier, c'était compliqué. Parce qu'on m'a dit, oh, ça, c'est les bons dieux, ça. Elle dit, mais tu ne peux pas vivre comme ça, comme tout le monde. Et quand tu auras vraiment un super travail, une bonne situation, là, tu vas te marier. Je les ai regardés, je dis, non, 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 non. Moi, je suis en Christ. Je ne fais pas les choses dans le désordre.
J'ai trouvé la bonne personne avec qui me marier. Je me marie, point. Je me marie. Je me marie. Je vous dis toujours, moi, je me suis mariée étudiante. Je dis non, je me marie. Bon, j'étais en fin d'études déjà, mais j'ai dit non, je me marie. Je ne veux pas faire les trucs à gauche, à droite, où mon nom sera mélangé. On m'a traité de tous les noms. Oui, voilà, non. Ça, tout ça, c'est à cause de ta foi. Je dis oui, c'est à cause de ma foi. C'est à cause de ma foi. Et quand j'ai décidé de me marier, un combat de tous les côtés. Un combat de tout. Non, mais là même, là, déjà le fait que j'avais donné ma vie à Christ, c'était une chose. Mais le fait que je décide de me marier, c'en est encore une autre. Avec quelqu'un qui est un bon dieuzard comme moi. Non, c'était terrible. Aujourd'hui, je fais partie des... Quand on cite les foyers stables, on peut me citer de la famille. On peut me citer. Oui, oui, oui. Quand on parle des personnes stables, on peut me citer. Aujourd'hui, quand on cherche des conseils, on peut m'appeler. Il y a de cela 15 ans, 16 ans, ce n'était pas le cas. Donc, il y a toujours un temps quand tu crois dans tes convictions. Elles sont basées sur la parole de Dieu, je vous garantis. Il y a un temps où Dieu change les choses. Il y a un temps où Dieu change les choses. Un jour, j'étais surprise, ma tante m'appelle. Elle me dit, ah, j'ai vu tes vidéos, j'ai vu les extraits de ce que tu fais. Oh, c'est super, hein? C'est très bien, continue comme ça. J'ai dit, Il y a de cela 20 ans. Mais c'est qui? Des mal élevés, des trucs. On leur dit d'aller à l'église. Ils décident de ça. Non, 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 c'est eux qui connaissent. C'est eux les évangéliques. C'est eux, non. Ouh, ouh. Aujourd'hui, c'est bien, Tina. C'est bien, Tina. Continue comme ça. C'est comme ça qu'ils vont dire aussi pour toi. C'est comme ça qu'ils vont dire aussi pour toi. Vous savez, lorsque les gens ne sont pas encore arrivés à certains niveaux de leur vie, ils trouvent que tu es fou. Mais lorsqu'ils arrivent à un certain niveau, ils se rendent compte que, mais en fait, tu n'avais pas tort. Donc, par rapport à vos convictions, tenez bon, tenez bon. On va peut-être vous rouer de coups. On va plutôt... peut-être vous couper les vivres. On va peut-être vous jeter dans la fosse là-bas. Mais Dieu est avec vous. C'est une histoire de foi. C'est est-ce que vous croyez que Dieu est avec vous? Une chose sur laquelle je n'ai jamais douté, c'est que Dieu était avec moi. Même si j'avais une petite foi, j'avais une toute petite foi. Je vous dis, je ne connaissais pas grand-chose. Mais on criait sur moi. Je regardais les gens et j'étais convaincue que j'avais fait la bonne chose. Et on me disait, mais tu es mineur, comment tu peux être convaincu d'avoir fait la bonne chose? Je l'ai regardé, je dis, je sais que c'est la bonne chose. Et quand on me demandait, quel métier tu vas faire plus tard? Je dis, je ne sais pas. On dit, tu ne sais même pas le métier que tu vas faire plus tard. Et ça, un choix aussi important, tu peux le faire? Je dis, oui. Mais ça, c'est quoi ça? Tu n'es qu'une enfant, tu ne peux pas choisir. Je dis, je peux choisir. Et à chaque fois que je le disais, je sentais une assurance, une paix, quelque chose d'inébranlable. Je ne peux pas expliquer. Vous voyez une jeune fille de 15 ans qui parle à son père, qui est en train de crier, tout ça. Mais je me tenais devant lui et je disais ce en quoi je croyais. Et quand je le disais, j'étais comme portée. J'avais une foi, une assurance, quelque chose d'absolument divin et spirituel. Parce que ça, là, il n'y a que Dieu pour faire ça. C'était pas avoir un mauvais caractère, un sale caractère ou vouloir désobéir. Je ne peux pas l'expliquer. J'étais là des fois, en face, je voyais mes tantes, mes oncles, ils s'asseyent là. Et ils n'ont qu'un seul sujet, hein. Tina. Et c'est pas derrière, non seulement ils font derrière, mais aussi tu es devant et ils te lancent des piques devant. Et gare à toi s'il y a un truc dans ta vie qui ne va pas bien. Parce que tu es une enfant, donc il y a encore des trucs qui ne sont pas encore bien formés et tout. On attaque tout. Et je me tenais là devant. Si je ne bouge pas, je ne change pas. J'avais une assurance, quelque chose qui me portait. Je ne savais même pas ce que c'était. Après, on m'a dit que c'était la paix de Dieu. Je ne savais même pas ce que c'était. Et vous, parfois,
on vient, il y a juste un ou deux membres de la famille qui partent, bim, on ne le voit plus à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a le père qui est au Gabon, toi tu es ici, tu travailles, tu gagnes, même si tu ne gagnes pas encore super bien ta vie, tu as quand même de quoi te nourrir, tu payes toi-même ton loyer, et tu as le père qui est là-bas au Gabon, qui te dit, non, cette histoire de Dieu là, je ne veux pas, donc ne va plus à l'église. Et toi aussi tu prends tes pieds, non, il a dit ne pars plus, va. T'es pas convaincu. Mieux tu pars, mieux va vivre ta vie que tu veux. Mieux va. Parce que dans le royaume de Dieu, on veut des gens qui sont convaincus. Dans le royaume de Dieu, on veut des gens de foi. Et la foi, c'est une conviction, une ferme assurance. Alléluia. Amen. On va se lever. Si quelqu'un est en train de souffrir à cause de sa foi en ce moment, tenez bon. Il y a un temps où ça change. Il y a un temps où on vous regarde avec beaucoup de respect. J'en suis la preuve vivante. Il y a un temps où, avant de prendre des décisions, on vous consulte. Parce que vous prenez du grade. Et vous devenez honorable. Il y a un temps où ils ont tout essayé. Et quand ils contactent Tina, et Tina dit qu'elle va prier, 2 jours après, ça fonctionne. On dit, il faut arrêter de négliger la personne. Donc, il faut être convaincu et il faut que votre Dieu, là, ça marche. Moi, je me rappelle au travail, c'est mes collègues, quand quelqu'un avait mal quelque part. Écoute, va voir Tina. Va la voir. Et quand je leur parle, devant moi, non, tu dis, quand tu finis de prier, tu dis que le Dieu de Tina. Eux-mêmes, ils connaissaient. Je dis, moi, je ne connais pas votre Dieu là. Mais quand vous priez, il faut dire que le Dieu de Tina. Et ça marche. Et dans l'entreprise, ils parlent. Ils disent, non, il faut dire le Dieu de Tina. C'est ça. Mais bien sûr, je suis représentant de quelqu'un. Donc, c'est mon représentant. Là, on dit le Dieu de Tina. Et toi, tu as honte de quoi? Encore si tu étais dans un pays vraiment compliqué. Mais en France, tu as honte de quoi? Non, il faut tenir bon. Il y a un temps où ça change. Alléluia. Prions. Seigneur, merci. Parce que tu formes des hommes et des femmes de conviction. Des personnes qui sont convaincues de leur choix. Seigneur, nous ne voulons pas être des personnes déloyales à nos convictions et nos valeurs. Mais nous voulons les assumer. Et nous voulons connaître la communion de tes souffrances. Et nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Que tu puisses les raffermir, que tout ce qui était boiteux soit raffermi ce matin. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
vous asseoir. Nous allons amener nos dîmes, nos offrandes. Donc je vous laisse quelques minutes rapidement. Vous prenez vos dîmes, vos offrandes. Est-ce qu'on peut distribuer donc les enveloppes? Nous avons également les offrandes bâtisseurs. Je vais vous faire un point dans la semaine. Je sais, ça fait longtemps que je dis que je vais vous faire un point, mais je vais vous faire un point très bientôt sur les bâtisseurs. D'accord? On vous enverra par mail comme on a fait la dernière fois. Donc prenez rapidement vos dîmes, vos offrandes. Je voulais vous dire aussi, chose que je n'ai pas dite la semaine dernière, on a voulu donner un bon coup de boost à l'évangélisation et pour que ce ne soit pas un poids pour les gens, peut-être que vous ne le savez pas, mais nous achetons des prospectus, nous imprimons des prospectus et nous achetons des prospectus. Donc, nous ne voulons plus acheter, nous voulons les produire. Donc, s'il y a des gens qui ont une belle plume et qui veulent écrire des flyers d'évangélisation, donc, allez-y, vous nous envoyez vos écrits et on va voir, on pourra les corriger et les imprimer. Donc, ça va faire peut-être deux ans, au moins, hein, qu'on a des prospectus. Ah, moi, ça fait combien de temps? Au moins 2 ans. Hein, pour que ce ne soit pas une charge pour les gens. Nous avons aussi des Bibles. Si quelqu'un manque de Bible, qu'il vienne et on va lui donner une Bible. Par contre, si tu prends la Bible et que dehors, tu vas te taper le gros kebab, il y a un problème. Parce que la Bible, là, elle coûte 2,50 €. Le kebab, là, c'est déjà beaucoup plus. Hein? Bon. Vous avez compris, non? Voilà. Donc, je vais vous demander de vous lever. Voilà, tous ceux qui ont leurs dîmes, leurs offrandes. Venez donner, venez semer avec joie. Donc l'offrande, la dîme, ça doit être des actes libres et volontaires en fonction de ce que Dieu a mis dans votre cœur, en fonction de ce que vous avez résolu. Venez semer avec joie. Amen, amen. Je vous invite à vous lever pour apporter dans la maison de celui qui est digne de tout louange et de tout honneur. Yeah.
Vous souhaitez donner de la visibilité à votre business? Vous souhaitez augmenter votre clientèle? Étendre l'influence de votre marque et votre premier défi? Avec son lancement sur les box, Évangile TV vous offre un partenariat exceptionnel en diffusant votre spot publicitaire dans tous ses canaux de diffusion. Touchez des millions de personnes dans le monde francophone et augmentez votre image de marque grâce à Évangile TV. Nous vous accompagnons de la conception à la réalisation de votre spot. Que vous veniez de commencer votre activité ou que vous ayez déjà du succès, saisissez la grâce et accélérez en cette année 2023. Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact au 06 52 58 83 60. Ok, est-ce qu'il y a des personnes qui font le culte pour la première fois avec nous? Ah, super. Ce matin et de faire ce culte avec nous. Donc vous avez des hôtes et des hôtesses d'accueil qui prennent vos coordonnées. Merci de bien vouloir nous les donner. C'est seulement pour vous appeler et pour prendre de vos nouvelles. Alors la semaine prochaine, nous avons l'arrivée de l'apôtre Alain Patrick Tienguy. On a décidé de ne pas faire le vendredi soir. Donc vendredi soir, vous restez chez vous, vous reposez. Par contre, le samedi, on va commencer à partir de 11h. D'accord? 11h. Donc, c'était soit faire le vendredi soir ou démarrer le samedi matin. On a préféré démarrer le samedi matin à 11h. Alors, probablement qu'on va devoir mettre en place un système d'inscription pour le dimanche. Parce qu'il y aura beaucoup de monde. Et vous savez qu'habituellement, quand l'apôtre vient, on va dans l'autre salle là-bas, qui peut contenir vraiment beaucoup plus de personnes. Donc là, on n'a pas loué de salle, parce que bon, il faut faire quand même quelques économies, vu qu'on loue la salle le 31 décembre. Donc là, on n'a pas loué de salle. Donc peut-être qu'on va vous demander de faire des inscriptions, d'accord? Donc si vous êtes sur le groupe Telegram, surveillez bien le Telegram et on en reparlera, ok? D'accord? Soyez bénis, je vais vous demander de vous lever. Seigneur, merci pour ce culte de ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous et merci pour toutes ces paroles que nous avons entendues. Merci Seigneur parce que je crois que tu réconfortes quelqu'un ce matin. Je crois que tu agis dans la vie de quelqu'un. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta main puissante sur la vie de chaque personne ici présente. Seigneur, que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, juste une chose, il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé donc, d'organiser une séance de baptême. C'est vrai, ce n'était pas du tout prévu parce qu'il fait froid. Donc, c'est vrai qu'on n'aime pas baptiser les gens quand il fait froid. Mais apparemment, il y a 14 personnes qui ont demandé de pouvoir entrer dans les eaux du baptême. Alors, il fait froid, mais comme ils sont courageux, on a décidé donc d'organiser une séance de baptême parce que bon, on va les encourager dans leur foi. Donc, ce sera certainement le dernier week-end du mois de novembre. Alors, il va faire froid. Ne dites pas après que l'Église vous a rendu malade parce que c'est vous-même qui avez dit que vous voulez. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Ok, donc soyez bénis. Et donc, ceux qui veulent se faire baptiser, vous voyez le frère Kevin. Et on va organiser ça. Ciao, ciao. Ce direct vous a été proposé par l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil de Lyon. Merci de l'avoir suivi et nous espérons que vous avez été bénis. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre relation avec Dieu et vivre la vie que Christ a prévue pour vous, contactez-nous immédiatement. Pour ce faire, c'est simple. Vous pouvez soit nous envoyer un message sur notre messagerie Facebook ou Instagram à Sœur Église de Lyon, ou alors nous envoyer un mail à contact@sœurlyon.com. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et active la cloche de notification afin de ne plus manquer aucun de nos directs. Avant de partir, laisse-nous un commentaire, un pouce bleu et partage le lien de cette vidéo autour de toi. A très vite sur Sœur Lyon.